Bonjour. Comment je peux vous aider? Je voudrais parler à Madame Laurent, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour Madame, je m'appelle Caroline. Je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Est-ce que votre appartement est encore à louer? Oui, la chambre est toujours disponible, mais c'est seulement pour les étudiants. Est-ce que vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante en droit, à l'université. Je viens d'arriver à Paris, après un an d'études, en Suisse. Je suis de Lausanne. D'accord. Est-ce que vous voulez voir la chambre? Oui, bien sûr. J'ai besoin d'un studio, et est-ce que vous pouvez me dire quel est le loyer par mois s'il vous plaît? J'ai une bourse, et je ne peux pas trop dépenser. C'est 500 euros par mois. Ce n'est pas trop, pour une seule pièce. Vous savez que, les loyers dans le centre-ville, sont assez chers. Est-ce que toutes les charges sont incluses? Tout est inclus, mais, si vous avez l'intention d'utiliser Internet, vous devrez payer 20 euros de plus par mois. Le prix me convient. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le studio que vous louez? Il est situé sur la rue Francis Carcot, dans le 18e arrondissement de Paris. À l'entrée de l'appartement, il y a des espaces de rangement sur la gauche. Le salon dispose d'un grand canapé-lit, d'un tapis, d'une commode, d'une table basse et d'une télévision. Il est coloré et agréable. Il y a une machine à laver et l'internet Wi-Fi. La cuisine est-elle équipée? Oui, il y a une cuisinière électronique avec un four, un réfrigérateur, un four à micro-ondes. Et combien de mètres carrés fait le studio? Environ 35 mètres carrés. Génial. Cela me semble bon. Quand est-ce que je peux venir voir l'appartement? Je suis libre demain. Quand pouvez-vous venir? Est-ce que 10h30 vous va? Oui. Donc, je vais vous attendre. D'accord, merci beaucoup. Je vous verrai demain. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes Caroline? Oui madame. Bonjour Caroline, entrez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'aime vraiment Paris. Je suis heureuse d'être ici. C'est super. Venez, je vais vous montrer la chambre. D'accord, allons-y. Voici la chambre. Il y a une télévision avec lecteur DVD. Un canapé et un fauteuil. Il y a un lit. Un placard assez grand. Et un bureau. C'est une pièce très lumineuse. C'est vrai, la vue de cette fenêtre
est magnifique. Il y a beaucoup de lumière, même aujourd'hui, avec un ciel gris. Je pense qu'il va pleuvoir. Oui, vous avez raison. Combien de salles de bain y a-t-il ? Il y a une salle de bain. Y a-t-il une douche ou une baignoire ? Il y a une douche. Venez, c'est par ici. Joli. Et j'aime la couleur de la salle de bain. J'aime le vert. Ça, c'est la cuisine. Elle est un peu petite, mais il y a tout ce qu'il faut. Des assiettes, des verres, casserole, un réfrigérateur, une cuisinière et un four à micro-ondes. Est-ce que vous aimez cuisiner ? Oui, j'adore cuisiner. Ma maman m'a appris quelques recettes. C'est bon. Ce studio dispose donc d'un espace ouvert pour vivre, dormir et cuisiner, avec une salle de bain séparée ? Oui, absolument. L'appartement est très joli, je l'aime beaucoup. Et aussi, la situation est parfaite, car c'est à seulement 5 minutes à pied de l'université. Oui, c'est vrai. Et l'ambiance à la maison est sympa. Est-ce qu'il faut verser une caution ? Oui, il faut également verser une caution de 2 mois de loyer et signer un bail de 6 mois minimum. D'accord, alors, c'est décidé, je vais prendre la chambre. Quand l'appartement sera-t-il disponible ? Le premier du mois. D'accord, c'est bien, alors, je viendrai demain et je vous paierai le loyer. D'accord. À demain et passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.